est-ce que ça marche, ça, comme ordre des tunes? Allô? C'est parce que c'est la finale, faut que ça fasse plus que ça. OK. Bon, on pourrait commencer par chandail de loup, après ça, on se présente au juge, puis on enchaîne avec vos queues. Ah oui, OK, oui, ça va passer plus comme ça. Ouais, OK. Je suis tellement stressée. Ben non, ça va bien aller. Hein, essaie d'être relax comme Mélanie. OK, parce que t'es pas stressée, toi. Pas tout. Regarde. OK, ouais, je suis vraiment très stressée. Oui, allô? Tu me niaises? Allô, Bastien? Ça te dérange-tu si je m'assois ici? Ben non. Hey, t'as vraiment des beaux cheveux, hein? Je te l'ai dit déjà, tu sais? Non. Ben, je te le dis. Ben, merci. Mm. Ils ont tellement l'air le fun à coiffer. Ah, tu trouves? Mm-hmm. Et tu ferais vraiment un bon cobaye pour une métamorphose beauté. C'est quoi, ça? Une coiffure puis un maquillage vraiment hot. Le salon où je travaille va offrir ça pour le bal des finissants. Regarde. Ben, ma patronne a besoin de quelqu'un pour les faire, là, mais je veux lui montrer que je serais capable. Ah, ben, c'est bien. Fait que, tu veux-tu? Ben... OK, bye. Mon père a une conjonctivite. Ça fait qu'il peut plus conduire puis venir avec nous à Gatineau. Sérieux? On n'a plus de lift. On n'a plus de lift. Mme, as-tu regardé tes courriels depuis les 5 dernières minutes? Non, pourquoi? Parce qu'on vient de recevoir un de Bethesda. Hein? Ouais? De qui? Ah, c'est la boîte de jeux vidéo où on a envoyé notre démo de Super Cro-Magnon. Ouais. Ben là, tu l'as-tu lu? Non, mais non, je voulais qu'on le lise en même temps. Mais go! Bon, mais Nana, il peut pas venir avec nous. Mes parents non plus. OK, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas rater la finale de secondaire en spectacle. Mais non, mais c'est sûr qu'il y a une autre option, là. Ça coûterait combien, un taxi? Ben, je sais pas, genre 1000$. En vélo? Ça prendrait genre 1000 ans. Écoute, c'est donc bien compliqué de se rendre à Gatineau. Hein? Qui s'en va à Gatineau? Ben, Mélanie pis moi, mais c'est parce que c'est pour... Hey, c'est donc bien drôle, ça! Je m'en vais justement là, tantôt. Pour vrai? Ah oui, c'est le party de fête d'une de mes amies ce soir. Est-ce que ça vous dérangerait de les embarquer? Non. Mélanie, c'est votre seule option. Ce serait tellement hot si vous pouviez aller les reconduire. Mais... Vous tenez en auto, vous autres? Oh, pas tout, moi, je lis d'habitude. Hein? Pis moi, je dors. Bon, ben, OK, d'abord. Ah, cool! Hey, rendez-vous devant l'école dès que le dernier cours finit. Non. Nous, faut qu'on parte plus tôt que ça, genre à la fin de l'heure du dîner. Ouais, sinon, on va être en retard pour le test de son. Ah non, mais moi, je travaille cet après-midi. Ouais, mais on pourrait sûrement s'arranger avec M. Prudhomme pour qu'il vous donne congé. Après tout, c'est lui qui devait partir avec eux. Coudon! Ben, je dis pas non. Yes! Merci, Mona. Hey, moi, mais je piquerais peut-être un petit somme avant, hein? Question d'être en forme pour chanter en conduisant. J'ai-tu l'air fatigué? Est-ce que je voudrais pas avoir l'air d'un zombie à mon party ce soir? Non, c'est pas super. Yeah. Ah, si vous voulez, je pourrais peut-être vous arranger le portrait un peu. Sans façon. Bon, ben, à tantôt. Bonne sieste. Alors, tu dis qu'elle chantait en conduisant? Fait que ça dit? Ils veulent rien savoir de notre jeu. Ouais, mais ils nous invitent à une visite jeune publique de leur studio, toi. Ah, bon, ben, ça pourrait être intéressant, ça. Mais non, on n'est pas des enfants qui veulent apprendre à faire un jeu vidéo, on est capables. Ouais, on est des créateurs, là, des concepteurs. Ouais. Écoute donc, ça vous met donc bien sur les nerfs, cette affaire-là. Et puis, j'en viens pas qu'ils nous aient pas pris au sérieux. Vas-y, il est bon, notre jeu, là. Pas juste bon, il est malade. Ouais. Ça change, ça, qu'on ait 16 ans, ou 40 ans, ou 70 ans. OK, c'est vraiment cool, là, mais est-ce qu'on pourrait revenir à mon problème? Ah, j'ai besoin d'un cobaye. Genre, tout de suite. Allô? Ben, j'ai pas la tête à ça, là. Ouais, moi non plus. Voyons, merde, là, des cobayes. Depuis quand Julie Pierre fait des expériences scientifiques? Non, mais pas ce genre de cobaye-là. Donc... C'est ça.
gagnant de secondaire en spectacle de l'an passé, sais-tu comment il s'appelait? Air Fudge. Ouais, puis. Air Fudge, Samy. C'est tellement cool comme nom. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Mais attends, t'as pas vu les gagnants des autres années? Boule numéro 8, Minute Papillon, Metal Bowling, Ringo et les derniers requins, puis les boulets de canon. Mais à côté de ça, Samani, c'est pas mal ordinaire. Ouais. C'est vrai que j'ai une coche en dessous. On n'a pas le choix. Faut se trouver un autre nom de groupe. Attends, aujourd'hui, le jour de la finale? Yeah. Samy, on gagnera jamais si on s'appelle Samani. Faut trouver quelque chose qui flash plus que ça. Ouais, t'as raison. Je dis ça de même, là, mais... Power, Mélanie, t'aimes-tu ça? Je vais faire comme si c'est une joke. Hey, les gars! Est-ce que vous en auriez, vous, des idées de nom de groupe qui flash? Pourquoi vous appelez plus Samani? Non, ça faisait un petit peu trop ordinaire, finalement. Il faudrait que je pense, là. Mais c'est ça, le problème, c'est qu'on n'a pas bien mal le temps d'y penser. Un mot de courriel. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on vient de recevoir un courriel de Bibisoft. La compagnie de jeux vidéo? Oui! On a un rendez-vous Skype avec un producteur qui est intéressé par notre jeu. Ah! Mais c'est donc bien cool! Quand, ça? Ben, tantôt, là, après l'heure du dîner. Ah, ben, c'est vrai pour malade. Félicitations! Bibisoft. Baby, ça, baby. Mona? Ah, oh, je vous ai pas réveillé? Ah, ben non, ben non. J'avais mis mon alarme. Hey, une sieste efficace, là, c'est 20 minutes, pas plus. OK, je... Ouais, je savais pas. Tu voulais me parler? Oui. Oui, j'ai parlé à M. Prudhomme, puis il a dit que c'était correct, que vous êtes libéré pour l'après-midi. Bon, ben, c'est super, ça. Hey, Mona, hey. C'est quoi, ça? Quoi? Oh non, j'ai pas de la bave qui a coulé. Ça m'arrive tout le temps quand je fais une sieste. Non. Non, mais regardez-vous donc. Ah! Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Hey! Je suis défigurée! Ben non, pas tant que ça. Ben là, ça vient d'où, ça? Ben, c'est peut-être quelqu'un qui vous a niaisé pendant votre sieste. Mélanie. Quoi, Mélanie? Ben oui, mais c'est elle qui a fait ça, c'est sûr. Ben non, Mélanie aurait jamais fait ça. Hey, regarde, elle voulait m'arranger le portrait avant ma sieste. Ben, c'était pour vous rendre service. Ah, ben oui. Hey, j'en reviens pas. Je propose d'aller la reconduire à Gatineau, pis c'est comme ça qu'elle me remercie. Non, Mona. Hey, tu peux être sûr qu'elle peut oublier ça, sa finale. Elle met pas le pied dans ma choupette. Baby, 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 baby. Yes! Yes! Salut. 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 Moi, c'est Francis. OK, puis moi, c'est Sébastien. Un petit peu. Sébastien. Qu'est-ce que vous faites, les gars? On essaie d'avoir l'air plus vieux puis plus mature. Ouais. Parce qu'il faut pas que le producteur de chez Bibisoft sache qu'on est au secondaire. Ouais, mais votre problème, c'est pas votre voix. C'est plus votre face. Ouais, mais... Surtout toi. OK, puis qu'est-ce qu'elle a, ma face? Ben, t'as l'air plus jeune, hein? Tant que ça. C'est vrai que de côté, t'as... Pis ça! Il y en a plein des gars qui ont l'air jeunes pis qui sont cute pareil, tu sais. Ouais, pis il y en a plein de filles aussi, là. Non, mais tu sais, on parle pas d'être cute, hein, on parle d'avoir l'air plus vieux. Hey, ce qu'il vous faudrait, là, c'est un genre de veston-cravate, hein, quelque chose du genre. Oui, bonne idée. Mon père, il y en a plein dans son garde-robe, je vais aller en chercher deux. Pis vous allez faire ça où, votre rendez-vous Skype? J'en ai aucune idée. Dans la salle de conférence de l'aréna, on aurait vraiment l'air pro, ça serait parfait. Bonne idée, je suis pas en équipe. OK. On se dépêche, il reste moins de 60 minutes. Go, 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 go. Comme ça, Bastien, il est cute. C'est pas exactement ça que j'ai dit, Samy. Faut pas l'accuser comme ça. Ben oui, je peux. Ben non, vous avez pas de preuves. Hey, à propos, de m'arranger le portrait, puis je me réveille le portrait arrangé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, ça veut pas dire que c'est elle. Oh, OK. C'est qui, d'abord? Ben... C'est ça que je disais. Non, Mona, on peut pas faire ça. C'est tellement important pour Samy et Mélanie dans la Gatineau. Ah, je le sais, hey. C'est pas rien. La finale de secondaire en spectacle. Oui, puis ils capoteraient tellement de manquer ça. Puis vous êtes leur seule option. Ben, Mélanie avait juste à pas me défigurer de même. Ben, je vais vous le prouver que c'est pas elle. Puis moi, là, je vais te prouver le contraire. Hein? Pas vrai?
OK. Merci, Mona. Ben, tiens, j'ai vraiment besoin de toi, là. T'as pas encore trouvé ton cobaye? Oui, mais j'ai comme un petit peu raté mon coup. Est-ce que je peux me reprendre sur toi? J'ai pas vraiment le temps. Et ce sera vraiment pas long. Ouais, mais j'ai un rendez-vous Skype là, avec Lisa pour mon jeu. Ben justement, non, je vais pouvoir t'arranger un peu. Parce qu'honnêtement, t'es vraiment pas ton meilleur. Et penses-tu que je pourrais avoir l'air un peu plus... vieux? Ben là, tu me prends pour qui? Une débutante ou quoi? Je vais t'arranger ça. OK, mais fais ça vite, puis faut pas que tu rates ton coup. Bon, relax, t'es à ce point. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, je sors mon kit. Ben, mais je veux pas que les gens me voient me faire maquiller. Tu veux qu'on fasse ça où? Ben... OK, j'en ai un autre. Pop liqueur. Arc, non. OK, ben trouve-en un autre de bord. Excuse, c'est parce que moi, j'ai proposé Black Cheval. Ouais, mais c'est parce que ça fait de pas pantoute avec notre musique. Peut-être, mais ça sonne bien. Bouille ketchup. Bouille ketchup. Qu'est-ce que c'est ça? Hé, hey, Pouille, c'était mon nom de carme chaud quand j'étais petit, puis toi, tu tripes sur le ketchup. Pouille ketchup. Oh, on trouvera jamais. Mélanie! Hé, Pouille! Hé, pas pire, votre nouveau look, Mona. C'est pour votre part à Gatineau? Elle est bonne. En tout cas, c'est pas mal réussi. OK, toi, là, ma petite corbe. Mélanie, t'étais où tantôt? Tantôt quand? Ben, tantôt, quand t'es partie du local du journal pour laisser Mona dormir. Ah, hein? Ben, je suis venue ici. Bon, il me semblait aussi. OK, mais t'es venue ici tout de suite ou pas tout de suite? Pas mal tout de suite. Ah ah! Réponse vague, c'est louche. Qu'est-ce qui est louche? C'est quoi ces questions-là? C'est juste pour savoir, là. Puis toi, là, t'étais tout le temps avec Mélanie? Ben oui. OK, vraiment tout le temps ou quasiment tout le temps? Tout le temps, tout le temps. Oh, vous voyez? Donc, j'ai pas dit mon dernier mot. Donc. Pouille ketchup. Non, Mélanie Power. Pouille ketchup. Mélanie Power. Bon, ça achève-tu, là? Ben, je viens juste de commencer. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Une métamorphose beauté. Ah, super. Est-ce que t'as vu Bastien? Hello! Est-ce que c'est une joke? Non, non! Hey, tu peux pas voir tant que j'ai pas fini, hein? C'est comme ça dans l'émission Transformation Extrême. Tu me niaises, tu m'aimes? T'es vraiment en train de te faire maquiller maintenant. Ben, ouais. Puis notre rendez-vous? Ben, justement, là, je vais avoir de l'air plus vieux. De quoi plus vieux? Ben, comme un concepteur mature et crédible, là. C'est ce que t'as envie de me faire. Ben oui, relax. Je peux t'arranger toi aussi, hein, si tu veux. Non, merci. Bon, t'as-tu parlé à M. Donald pour la salle de conférence, au moins? Oh, oui, mais c'est déjà réservé. Oh, falloir faire ça ailleurs dans l'école. OK, là, tu viendras me trouver quand tu seras... Métamorphosé. Puis, Julie-Pierre, tu peux-tu te dépêcher un petit peu, s'il te plaît? J'aimerais ça que tu me presses pas. Je suis une artiste, tu sais. Bon, ça achève-tu, là? Je l'avais dit qu'elle avait un alibi. Ça avait pas mal plus l'air d'un mensonge que d'un alibi, m'a dit. Oh my God, Mona. Mélanie, là, c'est pas elle qui vous a arrangé comme ça. Hein? Ben, c'est ce qu'on va voir. Hein? C'est la valise qu'elle apporte à Gatineau, ça? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche une preuve. Tadam! Tu peux m'appeler Mona Sherlock Tanguay. Mais ça veut rien dire, ça? Hey, j'ai jamais vu Mélanie se promener avec tout ça à l'école. Non, c'est vrai, là, mais... Regarde, elle a l'arme du crime dans sa valise. C'est la preuve qu'elle est coupable. Mélanie joue dans la finale d'un secondaire en spectacle ce soir. Ouais, pis. Ben, c'est pour ça qu'elle a apporté tout son kit pour se faire un look de scène. Ouais, peut-être. Mélanie aurait jamais apporté tout ça juste pour vous niaiser, là. Ben, ça, c'est pas une preuve, ça? Ben. Regarde, Mélanie avait prévu me peigner comme ça. Tu le vois bien? Mais c'est juste un dépliant de salon de coiffeur ou à travers. Chut! J'ai raison, pis tu le sais! Ah, j'aurais dû y penser avant. On fait l'interlude entre nos tunes pour voir si ça marche. OK. Mesdames et messieurs les juges, on représente l'école Victoire des Marais et on s'appelle les Deux Fabuleux. Mais ça marche pas.
Hey, mais on passe au plan B. Quel plan B? Les ajouts. Mesdames et messieurs les juges, on représente l'école Victoire des Marais et on s'appelle Mélanie Power. T'es mal apprécié, toi? Oui, faut que j'organise un setup là, qui a de l'allure pour notre rendez-vous Skype. Il est où, Bastien? Je préfère pas en parler. Est-ce que tu pourrais venir voir ce que ça donne comme décor sur la webcam? Est-ce que ça fait bureau de concepteur branché? Honnêtement, ça fait plus maison des jeunes. Tu me l'aides? Pourquoi vous allez pas ailleurs dans l'école? Mais là, c'est pas mieux, les murs sont multicolores, y a personne qui fait ça. Allez dans le bureau de mon père, il est à la clinique. Ouais, c'est parfait ça. Merci, Mélanie. Francis, je t'aurais pas des idées de nom de groupe, hein? Ouais, quelque chose qui flash. Gorgoroth, Balrog géant, les flammes du Mordor. T'as même pas qu'ils viennent pas du Seigneur des Anneaux? Non. Bon, Mélanie Powell. Mais quoi? Et maintenant, pour la touche finale. Jennifer, je savais que c'était toi. De quoi? Ben, t'as maquillé puis coiffé Mona? Ah, pas toutes. C'est Mona, ton autre cobaye. Oh, j'ai pas fini. Bastien? Oh my god. C'est quoi, oh my god? J'ai dit, j'ai pas fini. Je peux-tu me voir, là? Les nerfs, ça s'en vient. Ok, mais qu'est-ce que t'as à crêper tout le monde de même, toi? Ça s'appelle une métamorphose beauté. Ok. Mais à cause de toi, là, ça se peut que Samy puis Mélanie puissent pas aller à Gatineau. De quoi tu parles? Mais Mona est frais parce que tu as arrangé le portrait. J'ai rien fait à Mona. Je peux-tu me voir, là? Arrête de niaiser, je sais que c'est toi. T'as pas de preuves? Ben oui, là, t'as un fixatif puis un peigne dans les mains. Ouais, pis il y a plein d'autres filles à l'école qui en ont. Du fixatif, je pense pas. Ben peut-être que oui. Oh, come on, Julie-Pierre. J'ai rien fait. Ok, c'est beau, laisse faire. Mais c'est quoi l'affaire avec Mona, là? Oublie ça. Ok, bon, tu voulais te voir. Je pense que j'ai fini. Qu'est-ce que c'est ça? C'est hot, hein? Attends, mais tu me niaises, là? On dirait que je viens de sortir d'un manga. Ben non. Attends, mais pourquoi t'as pas fait ce que je t'ai demandé? Ah, ben c'est parce que ça va bien plus impressionner ma patronne comme ça. Ok, puis mon rendez-vous avec Bibisoft, là, je fais quoi, moi? Quel rendez-vous? Ok, fait que t'écoutes vraiment pas quand je te parle. Ah, ben oui. Je reviens pas que tu m'aies fait ça. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Je vais vous le dire qui vous a coiffé puis maquillé comme ça. Arrête, Jennifer, je l'ai, ma coupable. Non, c'est pas Mélanie, c'est moi. Toi? Oui. Oui, Mélanie a rien fait, là. Vous pouvez l'amener à Gatineau avec Samy. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant que c'était toi? C'est louche! Ben, parce que je voulais pas avoir de retenue. OK, prouve-le. Peigne-toi. Comme tu m'as peigné, hein? On va voir si t'es capable. Voyons, Jen, t'as aussi scrapé les cheveux. C'est quoi, vous essayez de partir une nouvelle mode? Ah ben oui, gâteau. Je suis pas certaine que ça va poigner, par contre. Ben, moi, j'ai juste essayé pour voir. On a pas l'air super à l'aise. Ben non, hein? Bon, laisse pas faire, le moule fixatif, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ah, ouais? Ouais. D'ailleurs, vous auriez vraiment dû me laisser m'en occuper, hein? Parce que, clairement, vous non plus, vous êtes pas super à l'aise avec ça. Bon, ça va faire, là, j'ai tannée de me faire niaiser. Non, mais c'était juste une joke, là. T'es en retenue pour la journée. Quoi? Puis je sais pas si t'avais hâte d'aller à Gatineau, mais tu y vas plus. Non. Mona! Come on, Bastien, allez, faut le prendre... Un mini bébé selfie! Malade, là! Je vous jure que j'ai rien fait, moi! Ben oui, puis moi, je me suis retrouvée crêpée comme ça, juste en magie. Bastien! Mon Dieu, es-tu devenue coiffeuse en série? Hein? Non, c'est Julie-Pierre, la coiffeuse en série. Pas toutes! Mais voyons. Mais Bastien, il est qui t'a défiguré de même? Oh, elle l'a défiguré, là! C'est elle! Hein? C'est pas Mélanie? Non, pourquoi? Vous voyez bien, je suis innocente. Hein? Ok, c'est toi qui m'as crêpée comme ça, Julie-Pierre? Non, c'est Mélanie, je l'ai vue. Hey, non, c'est tellement pas vrai. Mais là, c'est pas parce que c'est moi qui ai crêpé Bastien que je vous ai crêpé vous, hein. Mélanie aussi est très bonne en coiffure, tu sais. Mais t'es tellement menteuse. Hey, mais Jean, j'aurais dû m'en rendre compte avant. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de prouver que Mélanie rien fait. Regarde ça! Comment t'as fait pour savoir? Ben là, c'est assez simple, là, hein. Tu peux pas t'empêcher de prendre des selfies.
Ah, oh, ben, j'ai mon voyage! Mais j'avais une bonne raison! Oh, excuse-moi, Mélanie, ta suspension est annulée, j'étais dans le champ! Yes. C'est toi qui es suspendue, finalement! Quoi? Hey, merci! De rien. Mais, Bastien, attends! Je comprends pas, il prend toujours mon bord, d'habitude. Ben là, ça ne tente plus. Black dauphin? Ouais. Ça peut être autre chose qu'un animal, tu sais. Black menhir. Oh, ça de mal. Black kayak, tiens, ça sonne bien, ce black kayak. OK, laisse voir. Okay. Reste 19 minutes avant l'entrevue. Il est où, Bastien? Merci de m'avoir défendu. T'es comme un genre de héros. Oh, c'est la moindre des choses, là. Jules-Pierre est tellement insupportable des fois. J'ai tellement été niaiseux de triper sur elle. Je voulais pas le dire, mais... Ouais. Ben, voyons donc. Voyons donc! Non, c'est pas si pire que ça, quand même. Comment pas si pire? On a un rendez-vous Skype avec Bibisoft dans 17 minutes. Tu peux pas avoir l'air de ça. Ben, j'essaie. C'est une belle mode, ce look-là. Je peux t'arranger ça, si tu veux. Tu fais ça? Ben, c'est la moindre des choses. OK, oui, go! Ah, oui. Hey, j'ai une idée de nom là pour ton groupe. Ouais. La Belle et le Bête. C'est moi ça, la Belle? Qu'est-ce que t'en penses? Okay, pis pourquoi moi je suis le Bête? Ben, parce que t'as de l'air bête quand t'es concentré pis que tu fais du clavier. Ouais, OK. Ah, j'avais pas ça. Moi non plus. La Belle et le Bête. C'est vrai que ça sonne bien. C'est meilleur que Black Kayak. En même temps, ça aurait pu donner un air full créatif. Ouais, mais une nuance entre créatif puis bien trop bizarre. Ouais, ils s'entendent bien tout d'un coup. Ouais. Salut, Mélanie, elle vous plaît. Aïe, choupette devant la porte de l'école. OK. Mélanie Prudhomme. Quoi? On s'en va à Gatineau, go! Oh, oui. Hey, merci pour ça, hein. Je vais faire moins dur pour mon entrevue avec Bibisoft. Je suis sûre que vous allez torcher. Samy, pis toi aussi. Surtout toi. Tout est prêt dans le bureau, Monsieur Prudhomme. Enfile ça, vite, il reste 2 minutes. Hey, relax, man. Bye. Bye. Je vais te texter avant la finale, après la finale, puis avant de te coucher. Je vais te texter tout le temps. Oui. Bye. Mona, vous êtes sûre que vous voulez pas que je vous arrange ça avant de partir? Oh non, non! Ça va fitter avec les vieilles tunes des années 80 qu'on va chanter tout le long dans le champ. Les années 80! Oh my God, ça va être... Pour jouer ou revoir des émissions, visite le site web de Subito Texto.